On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la campagne de financement de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean. Objectif cette année, 450 000 $. Et bon, il y aura évidemment les activités habituelles, mais une nouveauté, on va ouvrir un comptoir vestimentaire au 747 de la rue Saint-Jacques, dans le même bâtiment que Art et Hobby. Et ça, on le souhaite évidemment que ça soit une activité très génératrice de revenus pour la Saint-Vincent-de-Paul. Mais d'abord, parlons de la Guignolée. La Guignolée qui se tient le dimanche 1er décembre dès 10 h le matin sur tout le territoire du Haut-Richelieu. On en parle à l'instant. C'est déjà le temps de vous parler de la Guignolée. C'est prévu pour le dimanche 1er décembre dès 10 h le matin, un peu partout sur le territoire de la ville élargie de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a également d'autres municipalités d'impliquer. Avec nous pour en parler, trois invités. D'abord, le commandant du Collège militaire royal Saint-Jean, le colonel Jenny Carignan. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. De même que Lucien Marmène de la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Luc. Bonsoir. Bonsoir, Éric. Et Nathalie Mercier de la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, évidemment, c'est un rendez-vous annuel pour un peu tout le monde, pour les bénévoles, pour les gens qui sont sollicités, la tournée médiatique. Vous nous avez amené d'ailleurs des denrées dites recherchées parce que très souvent, quand ça cogne aux portes, hein, tout le monde est un peu pressé aujourd'hui. Puis là, on dit « Ah, oh, on a oublié de préparer le sac », puis là, ça cogne, puis là, on se dépêche à vider quelque chose, puis ou des fois, on n'est pas là, puis on veut le laisser. Bref, on va faire un peu le tour de la question. Je vais commencer d'abord avec Nathalie. Qu'est-ce que ça implique, organiser une guignolée? Bien, c'est une grosse logistique, beaucoup de bénévoles, beaucoup d'organisations. Ça, on parle de milliers de bénévoles qui vont sillonner les quatre secteurs de Saint-Jean-sur-Richelieu, donc Saint-Luc, Saint-Jean, Iberville, l'Acadie, pour collecter les denrées, tous à la même journée, à la même heure, donc à 10 h, les bénévoles vont commencer le ramassage des denrées. On peut aussi remettre des dons en argent, donc tout le monde est identifié avec soit un dossard, une cocarde, les tirelires, donc c'est important de s'assurer que les, ouais, les bénévoles on va la montrer, sont bien identifiés. Parce qu'il y a parfois des gens qui font un petit peu de la fraude. Là. Voilà. Donc, toujours important de bien reconnaître de quoi l'on parle. Donc, c'est bien ça ici. Là. Donc, ça, c'est la vraie de vraie. C'est la vraie de vraie. Puis, c'est le dimanche 1er décembre à 10 h. Donc, il n'y a aucun secteur où on va passer la veille ou en prévision de. Là, mais les gens sont identifiés aussi. Ouais. Oui, mais bon, il y a des gens qui ont réussi à subtiliser nos produits et les réutiliser l'année d'après en se présentant le samedi en disant on est trop occupé, on prend de l'avance. Donc, soyez vigilants. Donc, dimanche 1er décembre. Bon. En tout et partout, parce que sur le territoire, il y a Saint-Jean, il y a Saint-Luc, il y a l'Acadie, il y a aussi le Centre d'action bénévole qui fait Iberville et Saint-Grégoire. Donc, c'est beaucoup de bénévoles. Du côté de Saint-Luc, ça représente quoi chez vous, la Guignolée? C'est la même chose qu'à Saint-Jean. Nos bénévoles vont être là à partir de 9 h. Ils viennent s'inscrire et la collecte commence à 10 h, comme ailleurs. On ne veut pas qu'il n'y ait rien qui se passe avant. Et c'est pour ça que je suis content que tu parles des choses qui se passent avant, comme Nathalie vient de mentionner. C'est important que les gens reconnaissent. Ils sont très bien identifiés, nos bénévoles. Ils ont des dossards, ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont bien identifiés, puis on ne passe pas. J'insiste, tu permets que j'insiste encore là-dessus. On ne passe pas avant 10 h le 1er décembre. Alors, comment il y a des gens qui passent, s'il vous plaît, ne donnez pas. Il y a de la fraude qui se passe partout. Bien, on a vu d'ailleurs, il y a quelques jours, le Centre d'action bénévole d'Iberville qui lançait un communiqué pour des appels téléphoniques frauduleux, sollicitations téléphoniques. Donc là, on en profite pour vous le dire. Donc, le CAB à Iberville ne fait pas de sollicitations téléphoniques. Donc, de la fraude, il y en a partout. Quelle est la collaboration du Collège militaire royal, Mme Carignan? Bien, Mme Mercier m'a demandé d'assumer la présidence d'honneur pour le secteur de Saint-Jean. Je suis très, très, très heureuse de faire ça, puis de mettre à contribution là, les ressources qu'on a au collège pour accueillir les denrées, justement, là, le matin du 1er décembre, puis fournir là, de la main-d'œuvre au niveau des élèves officiers du collège pour faire le tri et puis placer tout ça là, en préparation de la distribution des paniers de Noël. Donc, on est très fiers là, de pouvoir contribuer là, à cette activité-là. La logistique du Collège militaire pour l'organisation de la Guignolée, ça représente quoi? Elle le décrit bien, mais pour vous, là, si vous n'avez pas ça demain matin, ça change quoi dans votre opération? Pour nous, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, non, mais si je voulais l'entendre. Oui, c'est la carrément, c'est la fin du monde, parce qu'on n'a pas de locaux disponibles pour un mois par année comme ça.
Donc, je sais qu'à Saint-Luc, vous aviez eu ce problème-là à maintes reprises également, d'avoir à chaque année à trouver à quel endroit est-ce qu'on va faire la guignolée. Là, vous avez de l'espace au collège. On a l'espace, on a les services, donc il faut avoir de l'eau, il faut avoir des toilettes, il faut avoir du chauffage. On l'a déjà fait, nous, dans un local où il n'y avait pas d'électricité, pas de toilettes. C'est inimaginable, là. C'est impensable. Donc, on est accueillis en roi et en maître dans des locaux, les plus beaux locaux du collège, le pavillon couture. On a les ressources, ils nous prêtent la machinerie, le forklift, en bon français, pour décharger les camions, la main-d'œuvre. Pour nous, ça fait toute la différence. Ouais, tout à fait. Ben, je ne sais pas, on a apporté des denrées ici, j'en ai juste un petit sac. Mais là, on parle de boîtes de bananes bien remplies, c'est très lourd, donc les élèves aussi, avec leur bonne forme physique, se fatiguent moins vite que nous, pauvres petites bénévoles de certain âge, à manipuler les denrées. Bon. Colonel Carignan, quel est votre rapport à la pauvreté, soit dans votre carrière, ce que vous avez côtoyé dans différentes villes ou dans des missions à l'étranger, quand on voit une communauté comme la nôtre qui s'organise pour aider les plus démunis? Pour vous-même, quel est ce rapport que vous avez avec la pauvreté? On est très, très, très sensible à ça, hein, parce que, justement, on fait ce genre de travail-là aussi à l'étranger. Donc, on est très sensible là, à la pauvreté et à la misère humaine. Là. Donc, pour nous, les valeurs que la Saint-Vincent-Paul véhicule à travers la guignolée, c'est des valeurs qui rejoignent beaucoup vos forces canadiennes là, en termes là, d'entraide, générosité, etc. Donc, c'est des valeurs en lesquelles on croit aussi. Et puis, en même temps, là, ça nous permet aussi de contribuer là, à notre communauté où on demeure présentement. Là. Donc, c'est très, très important aussi pour nous là, de pouvoir contribuer à cette œuvre-là. Bon, j'ai fait inscrire à l'écran les numéros de téléphone pour les bénévoles parce que je constatais dans vos communications que pour les quatre secteurs, Saint-Jean, Saint-Luc, l'Acadie et Iberville-Mont-Saint-Grégoire, je présume qu'à ce jour-ci, vous êtes toujours à la recherche de bénévoles pour cette journée? Oui. C'est à l'infini, ça? J'ai parlé chez nous, c'est Mme Marielle Benoît qui s'occupe de monter les listes de bénévoles. Tout ça. J'ai parlé justement cet après-midi et elle me disait qu'ils sont toujours à la recherche de bénévoles. Même dans notre local, elle a mis une belle affiche avec son numéro privé pour se faire appeler. Mais chez nous, ceux qui veulent être bénévoles, là, ce serait important qu'ils appellent, simplement appeler au 450-349-1553. Laisse leur message là, quelqu'un va les rappeler, aucun problème. C'est notre ligne publique, c'est notre ligne où on a quelqu'un, une répartitrice qui prend les messages. 4, 5, 6 fois par jour. Bon, même chose du côté de Saint-Jean avec le 358-12-22, du côté de l'Acadie, 357-23-86, ou du côté d'Iberville-Saint-Grégoire, 347-11-72. Donc, les numéros sont à l'écran. En tout et partout, ça représente combien de bénévoles cette journée-là pour l'ensemble des organismes visés? On a arrondi à 1000, là. Mais 1000. Je ne serais pas surprise qu'on dépasserait ce chiffre-là. Est-ce qu'on a déjà évalué? C'est une question un peu bizarre, mais à chaque année, je la pose. Est-ce qu'on a évalué la valeur marchande de ce qu'on peut recueillir dans une journée comme celle-là? Bien, l'an passé, notre directeur de la guignolée, M. Clusio, avait évalué que nous, on avait reçu à Saint-Luc, lui, il avait fait une évaluation grossière, si je peux m'exprimer ainsi, de 65 000 $. Juste pour Saint-Luc? Juste pour Saint-Luc. Donc, on parle de quoi? Une valeur de peut-être 300 000 $ d'aliments, peut-être, qu'on recueille cette journée-là? Plus l'argent aussi, parce que vous recueillez de l'argent, là, aussi. Oui, moi, je n'inclus pas l'argent. Non, 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 c'est ça. Je parle de denrées seulement, là. Le secteur de Saint-Jean, on parle de 1000 paniers d'une valeur de 100 $ chacun. Donc, on fait le calcul, là. Et en argent, vous pouvez recueillir combien, là, avec les tirelires, notamment? Là? Combien d'argent vous recueillez pour la journée? La journée même de la guignolée, nous, l'an passé, on a recueilli 21 000. Pour Saint-Luc? Oui, la journée même. Mais il y a eu beaucoup de rentrées d'argent après. Côté de Saint-Jean? À peu près 25 000. Bon, et là, 25 000, il y a aussi Iberville et l'Acadie qu'il faut inclure. Donc, ça donne à peu près un aperçu. Je disais en introduction tantôt que parmi les produits que vous nous avez amenés aujourd'hui, c'est un peu des produits cibles. Peut-être, Nathalie, nous décrire qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, c'est les produits qu'on recherche, c'est des produits qui font plaisir, tout d'abord. On sait, les enfants, le hamburger Helper, Chef Boyardee, le Kraft Dinner, c'est toujours très recherché. Les gens n'ont pas tous des poêles ou ce qu'il faut pour cuisiner, donc des mets préparés à l'avance comme le Chef Boyardee ou les sauces déjà prêtes, juste à chauffer au micro-ondes, ça fait
bien plaisir. On cherche des produits pour les trois repas, donc déjeuner, dîner, souper, les collations, les produits hygiéniques. Donc, papier de toilette, mouchoir, savon, brosse à dents sont aussi des produits recherchés. Ce qu'on ne veut pas et qu'on ne peut pas prendre, c'est les produits cuisinés maison, les produits périmés et les produits frais. Donc, les gens qui nous apportent de la viande ou des fruits et légumes, c'est des choses qui ne respectent pas la chaîne de froid. Donc, normalement, on n'aura pas le droit de les distribuer et surtout pas quelque chose qui est cuisiné maison. Bon. Aussi, on le répète année après année, ce que vous récoltez pour la guignolée, ça s'en va au panier de Noël. Et il n'y a pas vraiment d'excédent que vous pouvez distribuer le reste de l'année. Là. Autrement dit, vous ne faites pas vos provisions pour l'année. Là. Pas du tout. Non, parce que c'est du non-périssable, mais nous... Non, mais je le dis parce que des fois, les gens pensent que vous passez une fois par année, non. Que vous remplissez le garage, puis qu'après ça, c'est non. ce que vous allez distribuer pendant toute l'année. Là. On fait une distribution comme nous, on fait une distribution. On a entendu parler tout à l'heure de 1000 paniers, bien 1000 boîtes. Oui. Nous, une famille de quatre, par exemple, deux adultes, deux enfants, bien, ils peuvent recevoir trois boîtes. Et en plus, on met un coupon, on met un bon d'achat pour le non-périssable. Alors, ce qu'on veut recueillir, c'est du non-périssable. Alors, nous, le bon, je m'excuse, là, je me suis mal exprimé, c'est du périssable, c'est de la viande, c'est du lait, des œufs, des choses comme ça. Alors, c'est du non-périssable seulement. Donc, les gens vont reconnaître, bien sûr, donc l'affiche qui est ici. Donc, peut-être, donc encore une fois, un rappel pour dire que les bénévoles seront identifiés, que ça commence donc le dimanche 1er décembre à 10h le matin, que les gens doivent s'assurer que les tirelires sont bien identifiés tel qu'on le voit ici pour éviter la fraude et que tout ceci, bien sûr, sera dirigé sur le territoire du colonel de Carignan au Collège militaire royal. À vous le mot de la fin. Quelle est l'invitation que vous pouvez lancer à la population pour cette journée? J'inviterai tous les gens là, à être très généreux cette journée-là. C'est certain qu'on va mettre, on va s'assurer là, que tout ce qui est récolté là, est bien classé et prêt à être distribué là, une couple de semaines plus tard. Bon, bien, un gros merci à l'avance donc pour tous ces bénévoles qui seront présents lors de cette journée. S'il y a encore des bénévoles, des gens qui se rendent disponibles, les numéros sont affichés, bien sûr. Et un merci encore une fois donc aux gens du Collège militaire qui prêtent si bien leurs locaux et leurs élèves officiers. Pour ceci, M. Marmande, mot de la fin. Bien, j'aimerais mentionner, parce que nous, on a deux locales, hein, deux locaux, si on veut. On a le 55 des Échevins, qui est notre comptoir familial, mais notre point de chute pour la guignolée va être le 30 rue Moreau. Alors, après le 1er décembre, là, ceux qui voudront nous apporter des denrées parce qu'ils n'étaient pas là la journée ou pour toute autre raison, le 30 rue Moreau, c'est la place. Il va y avoir des gens là continuellement. Bon, et je m'en allais oublier, peut-être, Nathalie, en quelques secondes, dans les commerces, les écoles, les entreprises, vous avez également des bacs qui sont identifiés. Vous allez les recueillir? Oui, on s'occupe chacun de nos secteurs. On va déposer les bacs et d'ici le 20 décembre, on va s'assurer que tout soit ramassé et introduit dans les paniers de Noël. À vous trois, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Restez avec nous, on vous revient immédiatement après ceci. Poursuivons un peu sur le même sujet. Il y a quelques instants, on vous parlait de la guignolée. Cette fois, on va préciser davantage au niveau de la campagne de financement de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean. Avec nous, deux invités pour en parler. D'abord, la présidente, Mme Lise Boyer. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et Nathalie Mercier est restée avec nous, directrice générale de l'organisme. Bonsoir et bienvenue. Rebonsoir. Bon, évidemment, on a parlé tantôt de la guignolée. Ça, c'est un morceau important et c'est aussi régional parce qu'il y a d'autres organisations impliquées. Mais évidemment, on le sait, le gros morceau de la pauvreté sur le territoire, c'est évidemment votre organisation qui détenait un peu, non pas le record, mais c'est vous qui avez le plus, disons, de bénéficiaires à votre actif. On parle de quoi, là? 2700 personnes qui annuellement bénéficient de vos services. Campagne de financement, première chose qui me frappe, parce qu'à chaque année, on détermine un objectif.
Et on ne réussit pas toujours à l'atteindre nécessairement, mais en même temps, les besoins sont toujours grandissants. Là, cette année, vous vous fixez donc un objectif de 450 000 $. Est-ce qu'on l'a haussé, Mme Boyer? On l'a haussé depuis l'année passée, mais on l'a haussé parce qu'on l'avait dépassé. Bon, enfin, donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, notre objectif l'an passé était de 425 000 $ et nous l'avons dépassé de 25 000 $. Donc, notre nouvel objectif cette année est de 450 000 $. Comment a-t-on réussi à dépasser l'objectif? Parce qu'il me semble que, de mémoire, dans les dernières années, c'était pas toujours rose, là. On était toujours en train de courir un peu, puis on n'arrivait pas à atteindre l'objectif. Oui. Mais les donateurs ont vraiment répondu à l'appel, ça c'est définitif. On a eu des nouvelles activités, donc le Club des 100, on a eu aussi des spectacles bénéfices qui se sont ajoutés cette année. Et le fait qu'on a réduit nos dépenses énormément a fait qu'on n'a pas créé de déficit. Donc l'objectif était tout le temps assez près d'être atteint. Sauf que nos dépenses creusaient un déficit à chaque fois. Bon, là, la question qui va de soi, c'est où avez-vous coupé? Parce qu'un organisme comme le vôtre, ça a pas, il y a des dépenses, là, mais si on coupe, à un certain moment, ça finit par affecter des services. Comment on a réussi à couper? L'an passé, on a annoncé ici, premièrement, qu'on ne donnait plus un bon de 30 $ par famille au panier de Noël pour acheter des denrées non périssables, c'est-à-dire. Ouais. On a commencé par ça. Ensuite de ça, on a été plus rigoureux durant toute l'année. On a revisé notre processus d'entrevue pour être plus rigoureux et pour continuer à donner aux bonnes personnes, à celles qui en ont vraiment besoin. Okay? Donc, il y a eu un triage. Oui. C'est ça. Et ensuite de ça, on s'est trouvé un nouveau fournisseur de viande ça nous a beaucoup aidé parce que la viande, c'est ce qui coûte le plus cher dans les denrées qu'on achète. Donc, ces trois facteurs-là ont fait que c'était pratiquement 50 000 $ de dépenses de moins. Oui, ça paraît, ça. C'est énorme. Oui. Je le disais tantôt en introduction, donc c'est 2 700 personnes. On parle de 1 800 adultes, 850 enfants. Mensuellement, c'est quoi? C'est 350 personnes qui viennent cogner à votre porte, là? À peu près, oui. Parce qu'il faut comprendre que les gens qui font affaire avec les Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean, vous, évidemment, selon l'entrevue que vous déterminez, bien sûr, ces gens-là, on les aide quoi? À une raison d'une fois par deux mois, à peu près? Une fois par deux mois. On donne 63 $ pour une personne seule et on donne 9 $ pour un enfant de 9 ans et moins et 15 $ pour un enfant de 10 ans et plus. Bon, le pire, c'est quand on dit ces chiffres-là, on se dit, c'est pas gros, là. C'est impossible. C'est pas gros. C'est vraiment pas gros. C'est le minimum qu'on donne, là. Mais ce qui aide aussi les gens maintenant, c'est que le vendredi, on donne les surplus du vendredi qu'on appelle, qui sont les denrées qui vont périr, qui sont périmées presque. Donc, il faut qu'on les donne pour ne pas les perdre. Et ça, il y a à peu près 100 personnes par semaine qui se présentent pour venir chercher ces denrées-là. Et ça, ça aide beaucoup les gens maintenant. Quand on regarde, Nathalie, donc dans les activités de financement, bon, on a toujours, bien sûr, le festin de fruits de mer qui revient, le tournoi des célébrités, le tournoi de golf avec Gilles Pinard. Vous avez également le Club des 100. Ça, le Club des 100, est-ce que ça fonctionne finalement à la hauteur des attentes? Bien, ça va assez bien. C'est sûr, pas à la hauteur de nos attentes. On espérait avoir nos 100 membres dès la première année. On est rendu à 65 membres deux ans et demi. Mais quand même, ça fait une belle différence dans nos revenus. Et on a aussi, comme je disais tout à l'heure, les activités de spectacles bénéfices qui reviennent également cette année avec le groupe Les Enchanteurs, qui était connu sous le nom de Cœur à Neuf l'année passée. Et toutes ces petites activités ponctuelles, comme le brunch mère, d'ici deux semaines aussi, qui va se produire. Bon. Il y a aussi une nouveauté parce que la vaste majorité des organismes au Québec qui font office de comptoir alimentaire ont très souvent comme source de revenus un comptoir familial. Ce qui est le cas du Centre d'action bénévole à Iberville, c'est le cas de la Saint-Vincent-de-Paul du côté de Saint-Luc, qui réussit à financer ses activités avec le comptoir familial. Ce que vous n'aviez pas, ici, à même le centre-ville, bon, il y a le Centre de partage joannais qui a un comptoir familial, mais ce n'était pas le cas de la Saint-Vincent-de-Paul. Là, vous procédez donc à l'ouverture d'un comptoir sur la rue Saint-Jacques. D'où émane ce projet en tant que tel? On en rêve depuis 3 ans. Les revenus n'étaient pas là, hein, parce que pour avoir un comptoir, il fallait investir une certaine somme d'argent pour la construction, la réalisation, toute la mise en place de tout ça.
Cette année, notre surplus budgétaire a pu permettre ça parce qu'on avait aussi l'urgence d'acheter un nouveau camion. Oui. Et le concours Dites-nous qui a aidé, le partenariat avec Dupont Ford et nos revenus ont permis donc de procéder rapidement à l'achat du nouveau camion et on avait encore des surplus. On a eu un lac à l'épaule, on s'est posé la question, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ce surplus-là? Est-ce qu'on le met en aide alimentaire ou est-ce qu'on l'investit pour justement démarrer le comptoir cimentaire qui va nous permettre une récurrence de revenus fixes? Donc, on a décidé de retarder la hausse des barèmes qu'on voulait faire cette année pour implanter le comptoir cimentaire. Bon, le comptoir, est-ce qu'il est ouvert ou est-ce qu'il va ouvrir prochainement? Demain. Donc, demain. Donc c'est très bientôt. Demain. Il est sur la rue Saint-Jacques. Bon, Saint-Jacques, mais 747 rue Saint-Jacques. Donc, c'est dans la partie Saint-Lucien, si on veut. Là. Pas dans le même bâtiment que Art et Hobby. Voilà. Donc, pas très loin de la rue du boulevard Gouin. Donc, vous avez fait le choix également de ne pas l'installer dans le centre-ville. Donc, définitivement. Et on a réuni les quatre organismes qui ont un comptoir vestimentaire, puis on a formé une espèce de coalition ensemble. L'objectif, ce n'est pas de travailler un contre l'autre. Bien, ça, c'était mon autre question, parce que dans le centre-ville, il y a déjà le centre de partage qui en opère un. Oui. Puis la naissance de toutes les boîtes de collecte qui se la fait. La multiplication des boîtes, là, des oranges, des bleus, des vertes. Toutes les jaunes. Les jaunes, c'est les bonnes, c'est ça? Oui. Non, oui. Bon. Oui. Il faut continuer à mettre dans les jaunes. Dans les jaunes, les boîtes jaunes, oui. Ce qu'on veut faire, c'est un peu éradiquer cette coulée vers l'extérieur. Pourquoi il y en a autant? Est-ce qu'il y a autant? Parce que c'est rentable. C'est une rentabilité extraordinaire pour les organismes. Mais des organismes qui sont basés à Montréal, principalement. Oui. Voire même puis il y a des compagnies, c'est ça, qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'ils sont basés. Donc. Et il y a une de ces cloches qu'on appelle qui appartient à un homme d'affaires. Il s'est parti, cette entreprise, de récupérer et de revendre ses vêtements à des organismes. Fait que pour cette personne-là, on parle de millions, je ne vais pas le nommer, mais ici à Saint-Jean, les quatre organismes qui font de la collecte de vêtements, on s'est assis autour de la même table et on a décidé de travailler ensemble. Un pour éradiquer un petit peu cette propension de cloche qui se fait partout et aussi pour dire, bien, regardez là, on va donner localement. On donne localement, mais on va redistribuer localement également. Donc, dans notre plan d'affaires, on a vraiment choisi de s'éloigner du centre de partage joannais pour permettre à d'autres classes de gens d'aller faire le tour. Et, parce qu'il y a un problème de transport, de circulation aussi. Ce n'est pas tout le monde qui peut se rendre à Saint-Luc ou à pied. Donc, là, on rejoint un petit peu un secteur qui n'était pas couvert. Bon, Mme Boyer, selon vos prévisions, une fois qu'on a... donc, là, il y a un montant d'investi pour démarrer le comptoir. Une fois qu'on paie les frais, le loyer et tout ça, quelles sont vos attentes? Quelles sont vos prévisions en termes de revenus? Combien d'argent pensez-vous faire avec le comptoir familial? On espère, dans la première année, au moins payer notre loyer. Donc, c'est ça qu'on espère, bon, c'est ça. Ouais. Oui. Et après ça, on espère être capable de vendre assez pour faire environ 50 000 $ par année. Bon, 50 000 de plus oui. qu'on aurait pour acheter des denrées périssables pour pour vos bénéficiaires. Ce qui ferait que notre objectif passerait à un demi-million l'année prochaine ou d'ici 2 ans. Et là, on pourrait vraiment augmenter les barèmes. Les bons qu'on remet échangeables dans notre banque alimentaire de façon significative. Bon. Quel est le support que vous avez dans la communauté de la part des épiciers locaux? Parce que très souvent, on le sait, on va à l'épicerie, puis bon, il y a des trucs à un certain moment qui deviennent bien, périmés de par la date, là, mais on sait que le MAPAC là, permet toujours une extension. Donc, quel est le genre de relation que vous avez avec les épiciers locaux? On a une très bonne relation avec les épiciers locaux, c'est nos partenaires. Et les épiciers locaux et les pharmaciens locaux aussi, parce que maintenant, il y a des denrées dans les pharmacies. Donc, plusieurs épiciers locaux nous redonnent leurs denrées à la valeur de 350 000 $ par année, ce qui est quand même énorme. Bon, vous avez toujours la collaboration de Moisson Rive-Sud aussi? Oui, pour 450 000 par année. Ça, c'est sans compter l'argent que vous remettez en plus, là, c'est ça. Donc, oui, ça fait quand même en bout de piste. Ça fait 1 million et un petit peu plus qu'on redonne. Donc, campagne de financement de la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean. Donc, on a fait un peu la nomenclature des activités à venir. Ouverture du comptoir familial. D'ailleurs, pourquoi le comptoir vestimentaire? Pourquoi il porte le nom de Frédéric Ozanam?
C'est notre bienfaiteur, c'est la personne qui a fondé la Société de Saint-Vincent-de-Paul à l'époque, en 1833 à Paris. Donc, comptoir vestimentaire, ouverture donc au 747 de la rue Saint-Jacques, pardon, dans le même bâtiment que Art et Hobby. On va vous souhaiter la meilleure des chances. Mot de la fin? Mot de la fin, on est en pleine campagne de sollicitation postale. Oui, aussi. Ouais. Alors, la fin est tout près. Donnons, s'il vous plaît, 20 $50. Si tout le monde mettait un petit peu l'épaule à la roue, ça ferait toute la différence dans notre secteur. À vous deux, merci beaucoup. Bonne merci. Chance. Restez avec nous au retour, on vous présente le Babillard quotidien. On en a parlé un peu plus tôt dans la première entrevue de ces appels frauduleux dont a été victime le Centre d'action bénévole d'Iberville. Donc, le CAB d'Iberville vous rappelle qu'ils ne font jamais là, de sollicitations téléphoniques de ce genre-là. Et donc, si évidemment vous êtes témoin de ça, vous pouvez téléphoner au Centre d'action bénévole au 347-1172 ou téléphoner à la police au 359-9222. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le nom de notre émission qui, à chaque semaine, vous présente des extraits du Conseil de ville à partir du 18 novembre et les semaines suivante, on va vous présenter des extraits du nouveau conseil avec le nouveau maire, Michel Fecteau. Télébingo, 3500 $ en prix à chaque semaine. C'est à tous les dimanches matin, 9h30 au Câble 9. Une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour connaître la liste, tvhr9.com ou vous téléphonez ici même. Télé du Haut-Richelieu, on a changé d'adresse. On est maintenant au 145 de la rue Richelieu. Et entre-temps, je vous invite aussi à devenir adepte de notre page sur facebook.com/tvhr9. Cliquez « J'aime ». À demain. Bye-bye.